Matin, bon mardi matin, j'ai checké quelque chose. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que qu'est-ce qu'on fait ici, c'est du divertissement. C'est une nouvelle saison qui commence, hein? Cet été, ça n'a pas été un bon été pour moi. Je tradais sur le bord sur mon téléphone, dans l'auto, parce que j'étais toujours en déplacement. Là, je recommence une nouvelle saison. Je suis excité de recommencer. J'ai pas arrêté, là. Regardez, jeudi, j'ai fait SOS. Et encore un autre citron. J'ai été capable de le vendre. J'ai acheté à 2,97. J'ai vendu à 2,98 le lendemain. J'en veux plus de citron comme ça. Donc, il faut que je prenne le temps. Faut prendre le temps de trouver nos bons titres. Il y a beaucoup de titres qui explosent le matin, mais moi, je vais pas là. Je ne vais pas là. Ces titres-là, quand on les regarde 2, 3 jours plus tard, ça descend. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être Edu qui a une petite passe à faire ce matin, mais je vais être prudent. J'ai eu un gros week-end avec l'ouverture de la boutique à la ferme et j'ai quand même fait mes devoirs ce matin. Il y a peut-être SESN, c'est tous des titres risqués, là. On le sait, c'est risqué, c'est ce qu'on fait. Mais je regarde, c'est sûr qu'il y a des titres qui explosent un matin, on va les regarder pour votre bon plaisir, mais je ne sais pas. Hey, Christian Lefebvre, il est content parce que il y avait Aircon. Vendredi, on s'est fait pas mal pogner. Hein. J'étais sur la route, mais j'ai regardé quand même avant de partir de Toronto les titres et tout a dégringolé dans les small caps vendredi. Et on s'est fait tous prendre un peu. Hein. Ben, moi, avec mes citrons, j'en ai 4 citrons dans l'affaire, là. Aujourd'hui, j'ai 20 000 $ prêts à être investis. Je suis pas prêt à perdre de l'argent. La crypto en mange une volée ce matin. C'est peut-être intéressant pour Bitfarms. On va regarder ça de près aussi. C'est un titre que j'aime beaucoup. Et Aircon explose. Depuis le temps que je ris de Christian, ici avec son Aircon qui n'a pas beaucoup de volume. Et Christian me dit depuis des mois, il va décoller, il va décoller. Il attend une nouvelle. Puis là, il a eu sa nouvelle. Donc, bravo Christian. Christian, c'est notre Michael Brassard du jour. Michael, l'autre jour, qui a fait 27 000 avec, je ne me souviens plus quel titre. Donc, ben voilà, hein, on va regarder ça ensemble. Je ne donne pas de cours sur la bourse, ni en privé. Le seul moment que je vais parler de la bourse et donner ce que j'en pense, c'est ici en direct. J'aime la bourse, c'est une passion pour moi. Et de 9h30 à 10h30, c'est mon moment. Peu importe le type de compagnie que je vais rouler, peu importe le meeting que j'y repousse, c'est mon moment à moi de regarder ce qui se passe. Je vis quand même de mes placements, il ne faut pas l'oublier. Je finance mes entreprises, ben, ma dernière entreprise, avec mes talents de boursicoteur, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc, voilà. Hein? Voilà. C'est ça qui est ça. Donc, qu'est-ce qui va être hot aujourd'hui? Je ne le sais pas, mais moi, je suis excité. C'est une nouvelle saison. Hein? On peut enfin laisser de côté. Mais le mois de septembre n'est pas toujours le meilleur mois. Hein? Il va falloir être prudent quand même parce que il y a le Delta variant, le variant Delta qui est là, qui peut venir nous embêter, bien entendu. Mais je suis prêt à faire un move ce matin. Qu'est-ce que je vais faire comme move? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas ce que je vais faire. Mon pouvoir d'achat est de 20 309 $ US aujourd'hui. Donc, je vais voir. Je suis pas pressé. J'aimerais ça faire un coup, mais je suis pas pressé. Au pire, ça va aller demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va aller voir quand même un peu ce qui se passe ce matin. Salut, Samouraï. Salut, salut. C'est juste un petit contrat d'un million. Il y en a d'autres à venir. Ah bon, c'est parfait. Bébé décolle. On l'avait regardé la semaine passée, Bébé. On va aller le rajouter. Bien, je pense qu'il y a bien des titres qui ont pris une petite claque vendredi qui risquent de décoller aujourd'hui. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Merci d'être là. Merci d'être là. Je rappelle que s'il y a des nouveaux, on fait ça dans la bonne humeur. C'est notre argent. Donc, si quelqu'un veut prendre un risque, on dit que c'est pas bon, on rit pas de lui. Hein? Ça y appartient. Ben oui, regardez. Ça, c'est tous les bitcoins, les coins que je suis. Et regardez, tout est au négatif. Moins 6, moins 3. Moi, j'attends un peu. J'ai manqué mon coup ici ce matin. Je voulais en rajouter de ADA dans mon portefeuille. J'ai manqué mon coup ici 2 fois. Regardez, la même chose. Hein? Les Bollinger Bands, ça marche aussi pour la crypto. J'aurais dû le prendre ici. Je ne l'ai pas pris. Fait que j'attends. J'attends à voir si je rajoute. Je ne suis pas pressé.
On n'est jamais pressé de perdre de l'argent. Hein? Dites-vous ça. On n'est jamais pressé. Ben, Aircon, j'ai hâte de le voir à l'ouverture. Est-ce qu'il a fait son travail? Déjà, à l'ouverture, ça va planter. S'il fait comme mon préféré, hein? RXN aussi a monté beaucoup. Il y a beaucoup de sites qui ont monté en préouverture qui vont être à surveiller. Hein? Sorrento, ben, il fait souvent ça. Là, je ne sais pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Je m'attends à rien. Je suis très frustré de la performance de Sorrento. Je suis au même niveau qu'il y a un an. Il était supposé d'avoir beaucoup de nouvelles. Il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas quoi faire avec ça. Voilà. Hey, merci à tout le monde d'être passé. On a eu un week-end de fou. Presque 2000 personnes sont passées sur le site, à la ferme, dans le fin fond des bois quand même. Merci pour ça. BX, Eric, c'est-tu intéressant aujourd'hui? Je ne le sais pas. Hein? Bitfarm, il monte, mais il monte parce que les coins ont monté beaucoup au début du week-end. Mais là, ils descendent, donc ce serait très risqué. Très risqué. Il y a Semi, peut-être, qui est intéressant dans ceux qu'on connaît. Il ne faut pas oublier que je cherche qu'un pour cent. Hein? Et 1% sur Semi, c'est 3 cents à 2,62. Donc, c'est pas la fin du monde. SESN, c'est un 2 cents. Donc, je vais le regarder aller. Mais bon, regarde. Lui, le problème, lui, c'est quand il stabilise, il ne bouge plus. Hein? Donc, il faut faire attention que ce type de titre-là, il peut se promener entre une et deux puis une et trois pendant 5-6 heures. Là. Donc, très, très, très dangereux. B-Big, comme dit, on va aller chercher B-Big. Et ça ouvre bientôt les marchés. Enfin, on va pouvoir regarder ça. Il y en a qui aiment ça transiger en partant. Moi, je ne transige pas en partant. J'aime ça transiger après. Et B-Big, ben oui, qui augmente encore. Très intéressant pour le day trading. Là, il est en haut de son Bollinger Band. Là. Fait que techniquement, il va falloir qu'il rentre dans l'eau, mais on ne sait jamais avec ce titre-là qu'est-ce qu'il peut faire. J'y vais aller vous voir 30 secondes avant que ça parte. Spintrap, j'ai débuté avec une plateforme de trading le 1er septembre. Je fais juste du canadien pour apprendre. Ça va monter moins vite jusqu'à présent. C'est bon. Ben, bravo. All 2200 ADOS en janvier, tout de moon. Ouais, mais je vais en rajouter probablement. J'ai manqué mon coup ce matin. Je vais voir. Mais au prix qu'il y a en ce moment, je vais en rajouter. Pas beaucoup. Hein, 500$. Là. Écoute, Aircon, je vais peut-être être tenté à 3,35 s'il y va, Christian. J'ai hâte de voir. Ouais, il faut faire plus de likes que ça. Hein? Bon matin, Michael. Faut se forcer un petit peu pour les likes. C'est pas compliqué. Hein? Ça fait plaisir d'être là, mais je peux le faire tout seul aussi. Hey, ben, ça ouvre les marchés, on s'en va voir ça. On s'en va voir ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, B-Big explose. B-Big va exploser. Aircon, si on va le regarder aller, il a monté jusqu'à 3,65. Et je ne sais pas. Sorrento, ben, il fait juste descendre, hein, comme d'habitude. KPLT qui est intéressant aussi. Là, honnêtement, je suis en train de magasiner. Je suis comme dans un centre d'achat, je ne sais pas dans quelle boutique rentrer, là. BX, RX. Ben c'est ça, à Bitfarm, le problème de Bitfarm, c'est que les coins s'en vont vers où? T'sais? Si on prend Bitcoin, il est en bas, moins 1647, donc techniquement, il est déjà pas mal haut. Fait que ça peut affecter, pas le temps de prendre Bitfarm en ce moment. Encore moins le citron que j'ai pris jeudi passé, SOS. Ce titre-là est pas mal de la scrap. Hein? Si on veut le trader, là, niaisez pas longtemps. Ça se peut que je le reprenne, là, mais niaisez pas longtemps s'il ne va pas dans la bonne direction. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, ce titre. Ça, c'est le Russell. Donc, le Russell est en hausse, 228. Semi m'intéresse. Pas pour le moment. Lui, il fait juste zigzaguer. Bébé, hein? Écoute, le sentiment de confiance est à 90. Where is the limit?
Solo monte, naked. Solo monte un peu. FCL, tiens, je regarde. Honnêtement, je ne regarde plus parce que j'ai transige pas, fait que je ne regarde pas. Vous savez que j'en ai du FCL. J'ai du Sorrento, acheté 8 $. Solo, acheté trop cher. Naked, acheté 51 cents, mais lui, j'attends qu'il explose. FCL, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire aujourd'hui. KXIN, ça n'a pas de sens. Cette compagnie-là est dans les autos usagées, puis dans les autos électriques, et le titre poirote. C'est pas mal ça. SOS, j'ai été brûlé, je ne retouche pas. Moi, quand je suis brûlé avec un titre, ça me fait peur par la suite. Oh, Naov, je ne l'avais pas vu. Je vais aller vous voir un peu. Vous êtes sur quoi? Jacob, bravo. CEI, le volume est fou. Je regarde ADAP. Sais-tu quelles sont les prochaines cryptos? Non. Non, je suis pas, je suis encore bien trop novice pour vous donner des conseils sur les cryptos, là. Je ne sais même pas quand ça monte puis pourquoi ça descend. Donc, je suis pas là encore. Je suis encore en mode apprentissage. On va aller voir CEI. On va aller voir CEI. Hey, excusez ma voix de gars qui a trop parlé en fin de semaine. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai trop parlé. J'ai pas trop parlé, mais j'ai beaucoup parlé. Ah, CEI pourrait être intéressant. 28 millions d'actions. Écoute, à 92 cents, là, il va devenir intéressant, CEI. Il montre pourquoi. Quelle est la nouvelle? CSN, regardez, on va arrêter de regarder ça, là. C'est pas intéressant pantoute, là. Bon, Bébig. Je ne sais pas comment le prendre, lui. T'sais, on le prend-tu là? Techniquement, là, ça serait ici. Hein? Il descend jusqu'à 55. Mais il se promène en tabarnouche. Ouf! Tu sais, c'est sûr que ça peut être tentant, mais il descend, il descend. On va le mettre sur 15 secondes. C'est-tu là qui est intéressant? Il a-tu tout donné? Il est venu toucher à son Bollinger Band, mais je suis sur 30 secondes. Il pourrait être tentant à 8 piastres, là. Je vais aller me positionner dessus. Je vais aller me positionner dessus. Il peut être tentant, un bébig. Ça a l'air que les actionnaires ne veulent pas vendre, mais plutôt acheter. Ouais, je vais aller voir bébig, peut-être. Je suis prêt à y aller avec bébig. US, affiché. 8 et 6, j'ai 20 000. 20 000 divisé par 8,06 égale 2 400. 2 400 actions. Et peut-être lui, le mettre à jour. 8 et 7. Il est en train de repartir. Ouais, j'ai confiance qu'il peut repartir. J'espère. Ah, attends un peu. On va le regarder un peu. À 8 et 1, il est venu toucher le bas. Excusez-moi. 8 et 1, il est venu toucher le bas. Qu'est-ce qu'il a l'air sur la minute? Ah, je l'ai manqué. Je l'ai manqué. Je l'ai manqué. Qui va faire un petit repli.
Ah, vous voyez, hein? Quand il est venu toucher ici, c'était ça le. Je vais attendre. Je suis pas 8 et 8. Oh, OK, 8 et 3. 8. Oh, il dégringole, là. Il va-tu descendre, là? Il est descendu bas. Allez-vous voir qu'est-ce que vous en pensez. Aircon à 3,47, j'aurais peut-être dû attendre. CEI, No News. Bébig est intéressant, les amis. BT7. Va falloir être vite sur le piton là-dessus. Bon, là, il est moins intéressant. Il est moins intéressant. J'ai bien fait de ne pas le prendre. Il est où l'intéressant avec lui? Secondes. Là, en ce moment, là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'elle lui fait ici? Lui monte. Semi non plus. Oh, il a donné un petit coup, lui. Je ne sais pas, Bébig. Il me tente, mais en même temps, il tire vers le bas, là. Il est vraiment sur une baissière, regardez, cette grande ligne-là et les deux, après ça, chandelles qui s'en vont vers le bas. On est sur la minute. Pour le moment, il faut attendre. Attends, j'ai bien fait de ne pas le prendre. J'ai bien fait de ne pas le prendre. Bébé, je l'ai eu à 2,50 dans un avis. J'ai fait un peu de swing avec. Il me fait peur, ce jour-ci. Ouais, tu veux regarder, j'ai presque embarqué. Non, non. Attends, regarde ça, il va monter en PM, je le connais bien. C'est sûr que tu le connais bien, ton Aircon, mais allez le voir. J'ai bien fait de ne pas sauter sur Bébé, vous avez vu, hein? On est en temps réel, OK? Je veux faire une transaction, mais pour le moment, Bébé, il s'en va. Tu as eu combien de commandes en septembre? Je ne suis pas sûr que je vais te dire mes commandes. assez pour investir presque 1 million dans une usine, si ça t'intéresse, là. Okay. Le marché est ordinaire et bas sur toutes les bourses. Ouais. On retourne voir. Ben regardez, hein? Regardez. Il est peut-être intéressant à 7,73, là, par contre. S'il vient toucher le bas du Bollinger Band, là. Là, il s'en vient croiser le 1,50 m. Quel bon move de ne pas l'avoir pris. Je me mordrais les bras, les doigts. Aircon, pour le moment, n'est pas intéressant. Pas intéressant. CEI est intéressant. Mais il est à son top en ce moment. Bébé, il faut le spotter en bas de 7 et. Il approche ici, là. Il est en temps, tabarnouche, mais il faut avoir le droit sur le piton rapide, là. Non, Aircon, pas intéressant pour le moment. La nouvelle a été en fait patate. Ah, Bébig, Bébig. Es-tu là le moment?
Le vrai moment, là, il est ici, là, à 7h74. Bon, FCL qui s'énerve. Solo aussi. Il y a de plus en plus. Solo fait une auto à trois autos, trois roues. Hein? Et il y a de plus en plus d'autos à trois roues qui sortent parce que ça peut se conduire. C'est comme un Spider. Et en Europe, c'est de plus en plus populaire. Donc, il y a vraiment un potentiel pour du long terme avec cette compagnie-là. C'est juste que je l'ai acheté dans du court terme au mauvais moment. Ben écoute, il est 9h43. Qu'est-ce qu'on fait avec B-Big? Rig, je n'ai pas regardé ce matin. Belle remontée, belle montée, toujours. M-Mat, qui est assez cowboy pour aller sur M-Mat? Bébé ne veut pas monter en ce moment. Il est vraiment stallé. Aircon risque de breaker autour de 3,35 jusqu'à 0,4 et remonter après. C'est un 3% pour moi pour 300 USD. Ma journée est faite. Merci pour le tuyau. Ben, bravo, Sylvain. Je lis Nio. Je ne vais jamais le voir. J'ai passé l'heure de 24. Elle a passé. J'aurais dû me mettre. J'entends toujours. Je suis à moins 7000. Hey, merci de ta transparence, Christian. Ça arrive aussi. Hein? Demain, j'attends que Neg et Rio montent depuis vendredi. Mauvais achat. Ben regardez, merci de votre transparence, les gars, parce que ça arrive. Hein? Ça arrive, puis faites donc des likes. Hein? Ça arrive, les mauvais coups. Qu'est-ce qui se passe avec B-Big? 7,86. Salut, Xam. On va aller revoir ce qui se passe. Ben là, B-Big, je ne le sais pas. Il me tente en tabarnouche. Il me fatigue. Il me fatigue beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui aurait été intéressant pour un 2 cents. Je ne l'ai pas aimé. Emrine, qu'est-ce qu'il fait, Emrine? Il n'y a pas assez de volume, seulement 139 000 volumes. Là, c'est intéressant. Regardez, il rentre ici, là, en bas. Là. Regardez où ce qu'il m'a souri. Il rentre dans le smoothed. Cependant, il a pris une débarque pour descendre jusqu'à 40 ici. Y avait-tu trop d'enthousiasme inutile aujourd'hui avec cette tête-là? Est-ce qu'il va remonter? C'est pas parce qu'il était haut le matin qu'il va remonter. Hein? Ben Aircon, il ne fait que descendre. Pour le moment, il y a zéro intérêt sur ce titre-là. Je cherche honnêtement le bon deal encore. Et regardez, un matin, hein? Il aurait été le fun à prendre ici, là, quand il rentre dans son... On va aller voir ce que les coins font. Peut-être intéressant à regarder. Tout encore pas mal dans le rouge. Bon, le B-Big, là, il est à 47. Est-ce que il semble vouloir breaker et remonter?
Hey, vous lâchez pas, vous venez à la boutique non-stop. Merci, merci. Ben, je l'ai encore manqué. Je l'ai encore manqué, mais il est peut-être intéressant parce qu'il remonte ici. Et il remonte en haut de 50. Là, je l'ai manqué. Là. Ben, ça dépend. Il va peut-être résister encore son foutu VWAP. Mais regardez, il monte en haut de 50. Ah, il vient de partir. C'est pas le titre pour moi ce matin. Regarde, il y avait 20 cents à faire, il était là, l'argent à faire. Mais je le trosse pas. Lui, il est juste une pente descendante pour tout de suite. Pour un map, je stabilise semi. Il n'y a pas assez de volume, juste 200 000 de volume. Voir qu'est-ce que vous faites parce que moi je ne trouve rien. Bébé, je viens de sortir. Oh, j'ai eu chaud. Il m'a tenté, mais il est dur à prévoir. Hein? DTST, on va aller voir ça, Michael. Tu es venu voir dans ton cours. Bébé, c'est le moment. Il y a un rejet de prix inférieur. Tu penses? On va aller voir. Tu te trompes pas souvent, William. Non, mais non, c'est pas le moment, là. Il est venu tester son. Il est venu tester son VWAP sans le dépasser. L'affaire, c'est qu'il va peut-être revenir une deuxième fois. Peut-être raison aussi. Il me tente depuis tantôt, il me fatigue, là. Il me fatigue régulièrement, solide, là. OCEI retombe aussi. KPLT, BXRX, MMAT retombe. Ça, c'est vraiment parti pour la gloire, là. C'est le Russell, by the way. Bien, c'est sûr que ici, sur 30, 15, 30 secondes, tu as raison. On va aller te voir encore qu'est-ce que tu as à dire. Là, peut-être que oui. Suzanne, je n'ai pas regardé encore à surveiller FCL, Plug, BE, BE. À un moment donné, ils vont décoller ceux-là. Là, Bébig, écoute, Bébig, il y a de l'argent et beaucoup d'argent à gagner et à perdre là-dessus aujourd'hui. Mais tu sais, on ne peut pas se promener à gauche et à droite. Il faut spotter un titre et trouver le bon moment. Il est où le bon moment avec Bébig? Il semble être là. Il va revenir retester. Donc, il y a 10 cents à faire. 10 cents. Je vais aller me positionner dessus. Je reviens. Je suis peut-être tenté cette fois-ci d'y aller. Descend encore. Il est où le bottom sur Bébig? Honnêtement, ça me fatigue.
Il me fatigue ce titre-là. Il est où, le foutu plancher? Je trouve pas le plancher. Il est venu toucher à peine 50 pour redescendre, ce qui est un signe quand même. C'est pas un signe positif, là. Bébé, il faut un petit coup, mais il descend. Il descend, le petit maudit. Il est à 7,93. Il est où le moment qu'il donne un coup vers le haut? Puis à quel moment qu'on doit le prendre? C'est-tu là, le plancher? Celle est intéressant pour un petit coup jusqu'ici. Regardez, B-Big, là, il est venu tester son VWAP. Là, regardez, le EMA12 croise le EMA50. C'est que vous voyez, je ne regarde pas beaucoup d'autres sites. J'ai pas le temps de magasiner comme un fou. À un moment donné, il faut se positionner. Il veut y aller. Est-ce que là, c'est intéressant? Il semble intéressant là. Ouais, mais il est intéressant là. Hein? Je commence en crypto, ouais, mais les NFT, je ne connais pas encore assez ça. Je ne connais pas. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Bon, il est rendu à où notre fameux B-Big? 7,96. Bon, ça descend en ce moment, fait que ça va calmer les ardeurs de bien des titres. Regardez FCL qui descend en même temps que le Russell. Est-ce que B-Big va faire la même chose? Si on regarde, il y a plus une tendance vers le bas. Là, le Russell, il a quand même perdu presque un point, là. Et ça affecte FCL. Ça doit affecter un paquet d'autres. Ça affecte tout le monde. Là. Fait que B-Big va y goûter aussi. Là. Fera pas exception. Là, pour le moment, le Russell est en train de planter. Faut attendre un peu.
ADAPT, 300 mauvais achats en pre-market, CC4, my bad. Ouais. SRZN, FCUV, Altud, encore. On va aller voir ça. On va aller voir ça. SPCE. Ben écoute, hein, faut être patient. Faut être patient, c'est ça. Ben regardez, hein. Ben faites de ne pas le prendre. Russell en prend pour son rim. Son rim. mais par contre, là, s'il descend à 7,75 au bas, il va devenir très intéressant. FCUV. Altud, encore, mais pourtant. Non, il n'est pas Altud, là. Il l'était peut-être. Il faut surveiller ici, là. Le Russell, à quel moment il se ressaisit? Et à quel moment ce titre-là devient intéressant? Aircon, les trois lignes sont pas bonnes, mais la dernière fois que j'ai dit ça sur Aircon, ça a explosé. Fait que, ben regardez, hein. C'est dur de faire du day trading. C'est dur de spotter toujours le bon moment. KPLP était intéressant. Ça descend encore. Et qu'est-ce qui fait le Dow Jones? Dow Jones tombe aussi depuis l'ouverture. S&P, le Nasdaq remonte. Lui, il remonte en flèche. OK, et là, c'est le moment. Ah, c'est-tu le moment? Tabarnouche! Aller me repositionner dessus. À un moment donné, il m'a le pogné de bon moment, qui n'est pas encore là, mais qui approche. $7,81, hein? Une chance qu'on ne l'a pas pris. Une chance qu'on n'a pas touché à ça. Il veut encore descendre, hein? On va le regarder sur 30 secondes. D'après moi, c'est mort, ça, pour tout de suite, là. Regardez-le, le MA12 s'en va vraiment vers le bas et il continue à descendre. Donc, tant qu'il n'a pas pogné 7,70, vous voyez des fois pourquoi il faut être extrêmement patient avec les titres. Hein? C'est pas parce qu'il est pas cher en ce moment qu'il vaut pas moins que ça, là. Il est dû plus 453, all right. Bon, là, il remonte 7,84. Et j'y vais. J'y vais tout de suite. Là, il est reparti pour la hausse.
Bon, je ne sais pas, je me suis trompé. Je suis à 7,84 dessus. Et on va regarder ça. Ah. J'ai embarqué à 7,84 dessus sur le rebond. Lui il se ressaisit. FCL remonte. Donc, mon point est pas beaucoup de sous. Vraiment de le regarder, mais pas être trop patient dessus. Je ne serai pas patient longtemps avec mes bigs. Double bonhomme à 7,80. Samouraï, bonne journée. Tout fini pour moi. François va venir me loader de popcorn à ton magasin dans les prochaines fins de semaine. Hey, bravo, plus puissant. Si tu hésites trop, c'est parce que tu n'es pas le titre et c'est très difficile. Mais là, je suis dessus. Fait que là, je prends le risque et on va voir maintenant ce qu'il y en est. Qui en est avec. Mais là, ça regarde pas bien. Et je serai pas trop trop patient avec. Lui redescend. J'aurais pensé qu'il aurait remonté ici en haut. On va le regarder. Pour le moment, je break even, mais je ne serai pas beaucoup patient dessus. Regarde ici, là, qu'est-ce qu'il fait? Allez, monte en haut d'ici. Monte en haut de 7,91 pour venir t'accoter à 8. Je suis sur 30 secondes, donc c'est intéressant de regarder. Pendant ce temps-là, Erkan, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose. Faut checker lui ici, il faut pas qu'il break pendant que lui est en train de monter. Là, il est à 52. Est-ce qu'il va breaker là ou il va monter? 52 du RSI. Oui, je m'en vais me préparer à le vendre. Hein?
Fais-tu une fausse remontée? Qu'est-ce qui fait ça ici? Ça redescend ici. Là, c'est à côté ici sur son EMA 50. Mais il est sur une petite montée. Parce que lui, il redescend là. Il faut arriver. Vous voyez, ça va vite, hein? Il a juste à peine frôlé 7,93 pour redescendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Go! Go! Allez, dépasse-moi le MA 50, là. Donne-moi ça ici, là. Qu'est-ce qui fait ça ici? OK, ça remonte. On va me préparer avant ça, là. C'est 7,91. OK, c'est assez. Il stagne. Qu'est-ce qui fait marcher? Je suis encore dessus, les amis, là. Je l'amène sur 30 secondes. Je veux juste voir. Il veut-tu y aller jusqu'ici? Ou je prends un trop grand risque. Là, ça fait 4 fois qu'il bloque à 7,93. Bon, j'en ai assez. Je ne prendrai pas le risque supplémentaire. Je reviens à ma... Voilà, vendu. Vendu pour combien? $0.10 fois 2400. 240$. Merci, bonsoir. C'est fait. Ah ben, c'est à mon tour. Plus 240. Hein? Plus 240 USD sur B-Big. Voilà. Hey, je l'ai tenu tout le matin. Okay? C'est ça mon corps, mon shot de ce matin. Je l'ai eu. bon, OK, on se mettra pas millionnaire, là, mais il n'y a personne qui va se mettre millionnaire un matin ici, là. Voilà, c'est fait, regardez. Est-ce qu'il va monter? Il semblait bloqué. Regardez, il bloque constamment à 50. Il semble bloqué ici. C'est sûr qu'il peut exploser, mais regardez en ce moment, on ne le sait pas. Hein? Il peut peut-être donner un coup supplémentaire, mais le but est de faire 1%, pas faire 10%. Là. On veut faire 10%, mais je viens de le faire. Là. Okay. Je viens de faire 240, je suis heureux.
je suis content, je pars l'année. Parce que pour moi, c'est une nouvelle année aujourd'hui. Hein? Je pars l'année en beauté et je suis soulagé. On est mes moites, hein? Quand même, on est mes moites. Et là, il stagne encore, fait que... ben, vous voyez comment j'ai été patient avec Bébig. Hein? Vous voyez comment ça prend de la patience puis essayer de trouver le bon moment. Vous avez tous eu votre titre le matin. Il faut pas lâcher à un moment donné. Quand, tu sais, vous voyez ce matin, là, je regarde pas ce que vous m'avez recommandé. J'ai pas le temps. OK? J'essaie de trouver le moment. J'ai décidé de spotter Bébig et de ne pas le lâcher. Et c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, j'ai pas le temps d'aller voir KXIN puis toutes les autres, qu'est-ce qu'ils font. La seule chose qui m'intéressait, c'était le Russell et Bébig. Et ben, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de succès l'année passée. Puis c'est pour ça que j'ai eu du succès au début du mois de juillet. Et après ça, ça a commencé à déraper. T'as dit quoi tantôt, Maxime? T'as dit quoi tantôt, mon petit Maxime? François Lambert, si tu hésites trop, c'est parce que ce n'est pas ton titre. Le marché est trop difficile. Les marchés sont très difficiles. C'est difficile de faire du day trading, OK? Et je m'en sors correct aujourd'hui. Donc, on va regarder quelques titres. J'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Fait que, ben regardez, hein? C'est exactement le moment de le vendre. Regardez, il est venu résister au EMA 50. Et c'est la même chose, la résistance au VWAP. Il va revenir le tester ici, mais il faut qu'il vienne ici. Et j'ai attendu juste un peu, mais il n'est pas venu confirmer la remontée. Ça se peut qu'il le fasse à ce moment ici, là. Mais le travail était fait. Puis, that's it. Emrine qui n'avait pas de volume, il n'y en a pas beaucoup encore, mais il y a beaucoup de choses. Bon, qu'est-ce qui se passe dans votre monde de fou? CEI? Non. De toute façon, j'en refais pas un autre deal. Là, je fais juste faire du window shopping pour demain matin. Hein? J'apprends ma leçon de me garrocher à gauche et à droite. Je suis heureux. Ça, il ne se passe rien. Là, je peux regarder mes titres, qu'est-ce qu'ils font. Solo a eu une recommandation hier de d'ici un an, je n'étais pas pogné 12$. Donc, j'ai besoin qu'il pogne 7$. On va se dire les vraies affaires. FCL. KXN, il n'y a pas de volume. 214, c'est mort. SOS, honnêtement, ne touchez pas à cette scrap-là. Ne touchez pas à ça. Qu'est-ce qui se passe avec les coins en ce moment? Oh, OK, ça va être le temps. Tantôt, je vais racheter. Tiens, il descend ici. Donc, je vais l'acheter en ce moment. J'avais transféré un 700$ dans le compte un matin, justement pour profiter d'une prochaine baisse. C'est ce que je vais faire en raccrochant. En raccrochant la ligne! En raccrochant la ligne. Et c'est ce que je vais faire en ce moment. Je vais aller vous dire bonjour. Ben voilà. Voilà. NMLC, Trader doit être là-dessus. Ça s'en vient, Daniel. La hausse se passe entre 11h et 16h le matin. Hey, ben merci les amis. Ce qui complète la rentrée scolaire pour nous autres. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'en parler aux gens qu'on a du fun. On était 150 ce matin. Merci. Merci beaucoup. J'ai réussi à revenir à la base du 1%. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Si on est capable de faire 1%, mettons, avec 20 000, hein, puis pas être obligé de transiger à chaque jour, là, mais ça donne quand même 10 000 $ de rendement, et ce qui est vraiment excellent. 20 000 sur 10 000, ça donne 30 000. Imaginez-vous si on le faisait avec 200 000, ça ferait 100 000 par année. Bien, c'est ça qu'on doit viser. Fait que je vous laisse. Merci beaucoup. On se reparle demain matin. Je vous dis à 4 heures qu'est-ce qui va se passer d'autre dans le monde de la crypto puis des autres affaires. Hey, merci, c'est le fun de faire ça avec vous autres.